William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des Patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver et lui ôter la vie. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé, mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Les Tuniques Rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les Fils de la Liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à M. Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Où dois-je aller? M. Revere habite à Boston. Si vous voulez, je... Ah, Connor! Quelle joie de te voir! Permets-moi de te présenter William Dawes et Robert Newman. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concorde pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Il a des dizaines, sinon des centaines de soldats sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le combattre seul. Mais ne crains rien, tu ne seras pas seul. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Tu dois la convoquer sans tarder. Avec joie. Tous les deux, nous traverserons le Charles pour rassembler nos hommes. William, fais de même, en passant par les terres. Robert, tu dois te rendre à Christchurch. Allume le signal. Deux lanternes si notre ennemi vient par la mer. Pas question de traîner, mon ami. Des vies sont en jeu. Allons. Ah! Ils n'ont laissé qu'un seul cheval. Nous allons chevaucher ensemble. Ah! Prends les rênes, je t'indiquerai le chemin. Vite, Connor! Monte en selle! Je te guiderai vers ceux que nous devons alerter. Suis mes instructions et nous serons vite rendus. Tout va bien, mon ami? Connor? Connor? À pied, on ne terminera jamais à temps!
Connor ? Qu'est-ce que tu fais ? Tout va bien, mon ami ? Tout va bien, mon ami ? Qu'est-ce que tu fais ? Connor ? Je te guiderai vers ceux que nous devons alerter. Suis mes instructions et nous serons vite rendus. Nous sommes sur la bonne route. Nous sommes sur la bonne route. Nous sommes sur la bonne route. Des tuniques rouges. Qu'est-ce qu'ils font ici? Sûrement des éclaireurs. Sois prudent, Connor. Ils ne doivent pas avertir la troupe. Va à droite, Connor. Nous y sommes. Mieux vaut continuer à pied. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Prévenez tout le monde. Les soldats marchent sur Lexington et Concord. Les Anglais arrivent. Remontons en selle, Connor. Nous avons d'autres gens à prévenir. Continue. Continue. Tourne à droite. Nous sommes sur la bonne route. Nous sommes sur la bonne route. Reste à l'affût des tuniques rouges. À gauche, Connor. Nous sommes sur la bonne route. À gauche. À gauche, Connor. Mets ton pied à terre.
Nous serons plus discrets. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Faites passer le mot. Les soldats du roi arrivent. Tout de suite. Magnifique. C'est la bonne route. Tout va bien, mon ami ? Continue ! Tourne à droite ! Nous y sommes. Mieux vaut continuer à pied. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Les tuniques rouges sont... Là! Nous sommes là! Attrapez-les! De nous débarrasser d'eux, Connor. Tâche de nous débarrasser d'eux, Connor. Il faut se débarrasser de ces soldats. Il s'en est vraiment fallu de peu. Essayons d'éviter d'autres mauvaises surprises. J'ai fait ce trajet une douzaine de fois. Pourquoi est-ce que je ne reconnais plus rien? Je dois reprendre mes esprits. À gauche, Connor! Sur ta droite, Connor! Sur ta droite! Par là, Connor! Oui, nous sommes exactement où il faut. Nous y sommes. Mieux vaut continuer à pied. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Mais où diable est-il passé ? Es-tu sûr que nous sommes au bon endroit ? Sûr et certain. Ray Scott ? Bonsoir, messieurs. Écoute, les tuniques rouges arrivent. Tu dois rallier tes hommes. Et... va vite t'habiller. Tout de suite. Ah.
Bienvenue à Lexington, Connor. Il ne reste plus qu'à trouver Hancock et Adams. Aucune trace de Dawes. J'espère qu'il va bien. Paul, Connor, content de vous voir. Vous devez partir, les tuniques rouges arrivent. Oui, William nous l'a appris. Qu'ils mènent leur perquisition, ils ne trouveront rien. Tu ne comprends pas. Pitcairn a l'intention de te tuer. Je crains que ce ne soit vrai. Nous n'avons d'autre choix que de partir. Mais ayez-vous droit. Dawes et moi allons poursuivre vers Concord. Connor, mieux vaut que tu restes ici pour aider John Parker à défendre la ville. Cela nous laissera le temps de faire passer le mot.